Yo les gars, alors vous allez dire que maintenant je fais peut-être que des vidéos comme ça, mais en même temps j'ai vu que ça vous a plu et je pense que c'est ce qui a dû le chauffer aussi sur ma dernière vidéo. Bon, peut-être qu'entre deux je vais en faire une autre pour pas enchaîner les vidéos comme ça, mais j'avais fait une vidéo bigdon et là je sais même pas comment je veux renommer ma vidéo, mais là c'est encore pire, c'est encore pire. Alors je me suis connecté à mon compte invité pour vous montrer ce qui a été pris, parce que même moi je me dis mince, c'est pas possible, y a plus rien, j'ai rien vu. Alors, ce qui a été pris pour voir clair et en image, il y a eu ça. Et, mais mec, t'es un vrai malade, t'es un vrai malade. J'aurais même pas, je sais même pas quand j'aurai assez de temps pour tout utiliser, mais en tout cas, j'ai suffisamment de ressources pour tout casser maintenant. Voilà, tout casser, mais on aura plus que le Serra là, on va pouvoir lui régler son compte, un de ces quatre, mais ça, il y a ça qui a été pris. Tu vois, on monte crescendo quand même, ça fait déjà pas mal de ressources, de pièces, il y a ça qui a été pris. Ça fait la blinde de gemme. Bon, Kunoichi, je sais pas. Pas encore si elle est vraiment si utile. J'ai utilisé contre les gardiens. Dans les épreuves contre les gardiens, je l'utilise. Ça fait, elle est assez sympa et très résistante. Donc dans tous les cas, il y a eu ça qui a été pris. Le nouveau badge qui, bon, je sais pas trop encore son utilité. Ça augmente quand même les PV d'un sacré niveau. Bon là, les niveaux 9, il y en a assez pour faire un niveau 3. Enfin, un niveau 10 plutôt. Ça donne immunité aux dommages fatals, donc tu te fais pas one shot et tu peux, si j'ai bien compris, et tu peux récupérer ta vie juste derrière. Donc bon, beaucoup de poudre et tout. Et il y a ça aussi qui a été pris, c'est du délire. Et ouais, non, vous rêvez pas, sur mon compte il n'y a plus rien de disponible. Du coup là, le badge renaissance, ah celui-là il va être tellement lourd, c'était mon petit point faible en arène actuellement. Les jarres de gemmes, les 3000 poudres en plus, et voilà, tout est multiplié par 3, donc on se retrouve sur mon compte. Et voilà, comme je vous le disais, ma chère boîte mail est complètement blindée déjà actuellement, du coup, ben voilà, en x3, du coup, ben j'ai les 6 badges encore à côté, ça c'est le pack d'origine, t'as les 6, j'ai les 3200 jarres encore en plus, les 2000 poudres, alors on va lui faire sa fête. Au Serra, j'aurai une quantité de poudre, il pourra plus faire le malin, il va être obligé de sortir. Voilà, le nouveau badge, le pack de base, et tous les petits badges encore en plus, et les multiplications par 3, tout ça, Kunoichi qui est là, ici, encore des doublons. Là, les vestiges, les skins, les autres gemmes, ici, là, 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 oh mon dieu, ça fait... Ça fait beaucoup. Voilà, une fois tout réuni, ça fait un beau résumé. J'aurais peut-être dû faire ça avant. Ça fait beaucoup. Et ça, c'est rien que les récompenses de base. Parce que du coup, oh là là là, il m'a fallu un temps fou avant de pouvoir tout utiliser. Bon, ça, je l'avais fait gagner, changer les gemmes et gagner, gagner des récompenses. Enfin, changer des talents et gagner des récompenses. Ça, c'est très bien, ça. Parc d'accumulation. Alors, j'ai le droit des chances d'archidémon en plus. Des cartes d'héros et d'événements officiels. C'est très bien. Ça, c'est top. Bah, concentration 9, bah, c'est pas si mal. Bon, j'en ai plusieurs, hein, des 10, mais au moins avec du 9, tu peux le mettre sur un héros qui soit pas maxé. Là, encore ici. Là, pour du skin de Dina, des vestiges de Dina, c'est ce qu'il me manquait. Les étoiles qui sont énormes. Et là, j'ai mes gardiens marcheurs du néant là qui n'est pas encore à fond. Pas encore. C'est bien le mot. Là, une quantité de coffres. Kunoichi encore. Encore pour le marcheur du néant. Je vais pouvoir le mettre. Je vais pouvoir le maxer lui, je pense. Je vais pouvoir aller très loin. Ça, je pense qu'on va le faire directement en vidéo. Et ici, le reste. Encore des héros d'événements officiels. Ça, c'est pour des runes de talent. Ça, c'est aussi pour des runes de talent. Oh, bah, c'est génial. Ah, le punisseur de Wash, la blinde de vestiges. C'est un héros qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est vraiment bien. Là, il y a de ça aussi. Il y a des bons badges de niveau 10. Le maestro qu'on utilise en arène, c'est top. Et là, les 2000 ressources de chaque ici. Waouh! Rien que ça, c'est waouh! C'est du délire. Là, ça ne fait une quantité de ressources. C'est abusé. Je vais être débordé. Bon, du coup, avec tout ça, on a une quantité d'événements à faire, mon pote. Je sais pas si les œufs. Oui, si, j'ai des œufs à exploser sans utiliser mes pièces. Malgré que les pièces, j'en ai un petit paquet maintenant. Là, il va pas falloir faire le timide. Il va falloir les utiliser un jour et puis débloquer toutes les récompenses. Bon. Là, les petits coffres de ressources, assez bien. Là, il y a des petits livres intéressants. Là, héros événement officiel. Ah, et le petit œuf en or. Qu'est-ce qu'on peut avoir dedans? Ces récompenses-là, nous, on va viser soit les coffres de niveau 5 ou tout le reste. En fait, tout le reste est bien dedans, sauf les badges. Voilà, les badges primes, c'est vraiment la récompense naze. Alors, rien à faire dans les récompenses en or et tout le reste, ça va.
Hop, là, les étoiles. Par contre, c'est pas pour les épiques, c'est pour les légendaires, mais c'est déjà pas mal du tout. Donc là, il va manquer une chance, je pense. Ah, c'est bien ça, les petits cristaux qu'il me faut pour les gardiens, les boîtes de skins. Bon, les boîtes de skins, j'ai déjà tout utilisé. Par contre, tous les héros qui sont dedans. Ah, il manque une pièce. On va utiliser une pièce. On a mis 1300 de côté, c'est du délire. Et ouais, alors du coup, j'ai même pas. Je regardais le nombre de tentatives. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ça. Ah, j'ai eu les codex. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Bon, premier événement. L'arbre à choix. Est-ce que je vais le faire? Parce que dans l'arbre à choix, finalement, on a besoin de choses aussi. Là, j'ai tellement de gemmes de côté. Est-ce qu'on fait l'arbre à choix? On va mettre ça dedans. Voilà, 200, c'est pas dingue. On va mettre ça. Et ça. Ça, c'est vraiment une ressource qui est très compliquée aussi à avoir, je trouve. Moi, ça me va pas trop. Je trouve ça compliqué. On va mettre ça. Ça. Et ici. Ok, là on va mettre pareil, on va mettre des cartes d'archidémon, on va mettre ça, ça et ça, je pense. Allez, confirmez votre choix. Oui, ça va me coûter, et qu'est-ce qui va tomber? Les coffres de niveau 10. Bon, ok. Allez, 900. Ah, les cartes d'archidémon. Bon, d'accord. Ah, les 30 coffres de niveau 5, c'est trop trop bien. Bon, maintenant, autant avoir les poudres. Allez, donne-moi les poudres, on n'en parle plus. Les livres, ça coûte cher. Hein. Bon, là, ça commence à faire 2000 gemmes. C'est pas que je vais faire le radin, mais faut pas déconner. Allez, jeu de société. Jeu de société. Oh là, j'essaie de faire au plus concentré pour vous, mais là, je suis débordé. Cristal, voilà, pour les familiers. Les cristals au choix, ça c'est bien. Coffre de matériel. Vite fait qu'on passe un tour. Ah, les rubis. Ah, les rubis pour les super héros 30 à 35, c'est vraiment indispensable. Ah, voilà, des poudres. Et on va faire un tour et les récompenses vont augmenter. Voilà, tout a été multiplié par 2. On est passé à 140 poudres de l'autre côté, vous voyez. Là, les petits badges pour les gardiens. Des poudres de familier classique. Oh, 3000. Pire embrassement, les 450 codex. Ouh, on va se faire un petit kiff avec ça. On va pouvoir encore en mettre plein. 3 pièces de puzzle. 200 poudres. Oh bah ça me va bien si on reprend des poudres à chaque tour. Bon, ça, les coffres de badge niveau 8, 9. Ça, c'est pas dingue. Ça, c'est super. Ah, les coffres de Vermilica. Bon, pourquoi pas. C'est pas le meilleur des dragons, mais ça se prend toujours. Hein. Bon. Là. Pour le super familier, c'est le truc de l'amour, là, je sais pas trop, elle est pas dingue. Les 500 livres, on prend, on l'a jamais trop. Encore des badges. Oh là, en tout cas, ce gardien-là va passer tranquille. Oh, les 440 jarres de gemmes. Les 350 poudres en plus. Eh, c'est bien, je récupère les poudres à chaque tour, ça c'est bien. Et là, encore des livres. Et j'ai 3 pièces de puzzle. Alors par contre, les pièces de puzzle, pour 3, je vais les échanger avec les petits marteaux, j'imagine qu'ils sont encore là. Ils sont pénibles à avoir tout doublé là. Comment ça se passe? Bah va jusqu'au bout, pourquoi ça redémarre à zéro à chaque fois? Va en bas. Voilà. Ici, voilà. Contre les petits vestiges, c'est très bien. Ça c'est fait. Prenez-y d'achat. Bon, qu'est-ce qui m'intéresse dedans? Rupture de stock sur les super snacks. Et ben c'est bien dommage ça, parce que ça m'intéresse pas mal. Bon, c'est de nouveau disponible dans 2 minutes. On va aller voir ça. Et sinon, rupture de stock pour le golem. Ouais, c'est impressionnant ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Les vestiges, non, non. Ah, les petits coffres là, ça je vais en prendre pas mal. Ça c'est les coffres de ressources là, de gratitude, ils sont bien cool. J'en ai 18. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On en prend 9 de chaque. 9 comme ça et 9 en super snack. Ça, c'est un de mes gros points faibles, on va dire. Encore les familiers, enfin gros entre guillemets. Là, on est plutôt bien dessus, mais... Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 9. Je regarde un peu les autres cristaux pour être sûr que je ne suis pas trop en panne avec ça. Non, non, non. Bon, on va en prendre 9. Voilà. C'est très bien, on va prendre les 9. En plus, c'est par 4. Oh, ça va me donner une quantité de... Il y a les vestiges, il y a des codex, il y a des cristaux dedans. Je crois que c'est très très bien. Voilà, il m'en reste 9. Et avec le reste, je vais prendre les super snacks.
Ça me paraît très bien. Bon, on va récolter un petit peu tout ça au passage. Oula, encore plus à collecter, tout collecter, les 36 coffres comme ça. Regarde, juste pour se faire une idée, juste pour se faire une idée de ces coffres-là, ils sont vraiment cool, les coffres de gratitude, vous voyez, il y a les rubis par 70 pour les super Evo et en même temps les vestiges. Donc limite, je sais même pas si je ne vais pas encore en prendre, utiliser. Et rubis 140, 210, 140 ici, nombre de cartes d'enchantement supérieur, dingue. Ah, tu vois, limite, je crois que je vais encore en prendre. Je vais encore en prendre par rapport à ce qui reste. Il en reste un actuellement, donc je vais encore en prendre un. Et bon, on verra. De toute façon, on attend que le stock se refasse. On va essayer d'y aller pas trop vite. Trésor englouti. Ah là, on est bien là. C'est un truc un peu de sur la chance. Allez, réclamer équité. Ah non, il faut d'abord ouvrir les coffres. Oui, j'ouvre ça. 60 coffres. Là, en fait, c'est un peu de la chance. Soit tu vas jusqu'au bout et c'est bien. Et plus tu augmentes de coffres, plus il y a des chances que tu perdes tout. Donc, généralement, moi, je vais pas jusqu'au bout non plus. Je laisse quand même quelques... Ah, ben voilà, ça c'est... Voilà, du coup, ben voilà, j'ai ouvert le coffre de trop. C'est le coffre pourri. Et du coup, tu perds tout. Mais bon, j'ai plusieurs tentatives. Donc le tout c'est de pas être trop gourmand et suivant les récompenses qui tombent. Alors là les récompenses elles sont pas dingues donc je peux forcer. Qu'est-ce que j'ai chopé d'autre? Ça. Ah oups, bon. Oups, tant pis. Ça n'a pas été très cool. Là c'est par 6. Oh là, directement déjà perdu. Bon ça me plaît pas. Bon là c'est pas mal. Là on est pas mal. Oh bah dis donc, et au bout de 4 coffres je perds tout. Alors que ces petites récompenses là, moi je les voulais bien. Ah bah 3 coffres. Bah décidément, je vais repartir sans rien. Ah et coffre de niveau 5. Moi je pars partir bredouille. Hein. Là on ouvre au moins ça. Et voilà, je réclame équité, donc je peux au moins réclamer ça, c'est très bien. Et j'ai encore d'autres tentatives. C'est très bien. Oh je pars partir sans rien. Ah, coffre de niveau 2, je crois qu'ils sont bien. On n'en a pas beaucoup, des coffres de niveau 2. Oh. Oups. Oh, bah dis donc. Eh, j'ai plus rien là-dedans. On va pas très haut avec ça. Ça, c'est bien dommage. Bon, je vais récupérer ça. J'ai pas beaucoup de chance. Ça se termine très vite. Voilà. Bon, bah c'est déjà ça en plus. Trouver les paires et gagner, c'est fini. Coffre trésor. Ça, y a pas. Stratégie Paco Bazar. Bon, il y a d'autres événements, je pense. Oh, il y a tellement de choses, accumulateur de réduction. On va aller voir, je crois que c'est un nouvel événement ça. Je connais pas encore. On va aller regarder, je dois avoir pas mal de points j'imagine. Oula, création supérieure. Allez, j'ai gagné 230 codex. Les petits packs, il y a des choses bien là-dedans. Ah, et t'as des choses limitées. Ah mais je peux juste tout retirer. Ok, très bien. Oh, momie royale, ça c'est cool. Sac de vermis. Ici des badges. 10 pièces, Merksha, encore des codex. Oh là là, je vais pouvoir mettre tous mes héros là bientôt. Encore des codex. Les signer toujours. Oh, 166 jarres de gemmes, on est bien. Les petites pièces, les gemmes. Oh là 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 là. Ah, il s'est mal affiché, voilà. Remise actuelle, si vous utilisez 100% et actuellement, oh j'ai 29 000 points, donc qu'est-ce que je peux prendre avec tous ces points? La meilleure récompense c'est quoi? C'est les sacs de Dina. Et ah ouais, les points c'est les snacks en fait. Bon, sac de Dina c'est super cool, mais c'est pas l'idéal. Qu'est-ce que je peux prendre? Les codex, les sacs de rubis, ça. Bon, ce que j'ai mis au début, je vais l'enlever. Je vais prendre, ouais, ça. J'ai 29 000 points, là. C'est le coût total, 2000 points. Ah ouais, je peux me faire plaisir, là. 5, remise actuelle, 170%, ouais. Ah, ça rame de fou, là. 9 000 points, rien qu'en prenant ça. C'est pas mal, non? Et ici. Sac de Dina, peut-être pas. Et ça. Oh, j'ai déjà passé à 31 000 points. Ah, ça fait mal par contre.
Ouais, bon, écoute, et si je fais ça? Se rendre panier. Bah ouais, moi ça me convient bien. J'ai besoin des vestiges pour le commandant, j'ai besoin des rubis, j'ai besoin des petites étoiles. Bah, allez. Et du coup, j'ai récupéré tout ça. C'est génial. C'est vraiment parfait. Et si je récupère ça en plus? Allez, ça c'est bien. Et si je récupère ça, non, ça fait un peu trop. Si je récupère ça fait encore un peu trop. 3004, il me faut pas grand-chose là. Peut-être ça. Voilà, ça c'est bien ça. Voilà, il me reste plus de points. Bon, c'est génial. C'est un bon événement ça. C'est un très 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 bon événement. Ça me fait plaisir. Trésor englouti, machine et création. Et le gala. Ok. Bon, ben voilà, j'ai tout récupéré. Oh purée, c'est dingue. Ça, ah non, il y a encore la frénésie d'achat qui a été remis, encore les coffres ici, les gèmes, les. Oh là là, les commandants. Bon, en tout cas, encore un gros merci. C'est dingue la quantité de choses que j'ai pu récupérer. J'aurais jamais pensé avoir accès à tout ça. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Et ça, les super familiers, il faut que je les augmente. Ils sont vraiment hyper nécessaires. Et du coup, même si c'est que. Si ça paraît pas si utile, c'est quand même. Bien pratique. Allez, ça. Et allez, encore une dernière boîte comme ça. Et on est refait. Et on est refait. Je pense que pour terminer cette longue vidéo de tirage, c'est déjà pas mal. J'ai pas pu faire plus court. Et là, par exemple, pour le gardien, voilà, qui est niveau 46, je peux peut-être enfin pouvoir passer au niveau suivant. Également au niveau suivant, débloquer sa grille. Et ben, il est temps. Je vais pouvoir au moins débloquer un premier niveau et des statistiques de ouf. Voilà, pouvoir passer à ça. Et regardez, tu vois, c'est même pas tant que ça. Hein. Oh si, on va débloquer encore un deuxième niveau. Oui. Obtenir, et après, bon, ça va déjà être la dèche. Mais bon, je vais pouvoir avoir d'autres récompenses encore avec ça. Allez, les marcheurs, c'est vraiment pas à négliger en termes de statistiques. Et voilà, j'ai encore 240 coffres comme ça. J'en ai deux, des comme ça, c'est bien aussi, il en faut. Et voilà. Bon, c'est pour une première vidéo, c'est déjà pas mal. Je suis débordé, et là, il faut que je mette. Faudra que j'achève le Ceratica, et là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faudra que je combine tous mes badges. Il faut y aller. Allez, en tout cas, on se dit à très vite, et encore merci, c'est dingue tout ce que j'ai en une vidéo, je pense que c'est déjà pas mal du tout. Allez, tchuss!